Et nous revoilà pour visiter Dortage. Donc on va enlever, enfin on va cacher l'interface. Ouais, enfin vous vous souvenez, hein, j'avais parlé de des boucliers qu'il y avait autour des non seulement des joueurs, mais aussi des PNJ, en fait qui servaient de protection. Donc vous avez la possibilité de mettre ça à droite, à gauche, etc. En combiné, enfin en faisant les changements dans votre raccourci clavier, ainsi. Protéger un côté de votre corps ou alors enfin un truc global comme ça quoi. Un PVP c'est très important. Le seigneur amiral tient à dire ceci au peuple. On a fait ça. Ne craignez rien. Les rebelles qui ont osé mettre notre grande ville en danger auront été traduits. Donc je sais qu'on va visiter. C'était attends contre non. Non plus c'était attends. C'était Z. Voilà c'était ok c'est ça. En fait, c'est pour comme ça vous avez une meilleure vue de la ville. C'est une forteresse, hein, parce qu'on peut voir bien entendu le comment on appelle ça déjà. Je sais pas, j'ai oublié. C'est ça, c'est genre de choses qu'on n'aime pas dans les films, tout ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et remparts, voilà, les remparts, c'est ça. En plus, je vis à Québec, on a une équipe de hockey junior. Fait dans les ligues juniors qui s'appelle les Remparts de Québec, hein. J'avais oublié carrément. Ouais, c'est ça, c'est les Remparts. Ouais, donc on va visiter ça. Donc, nous avons un forgeron, bien entendu. Ça, c'est qui ça? Je vois pas bien. Faiseur d'armure, ok. Faiseur d'armes. Ouais, j'aurais pu choisir fabricant, hein. Je pense que c'est beaucoup plus approprié que Faiseur. Bon. Pas grave. Bon, au moins, on se comprend, quoi. Serge de la main rouge, monsieur Nala, 19 ans, non, mais non, n'a pas l'air d'avoir 19 ans, non, yeah, non, c'est pas 19 ans ça, non, boisson et nourriture, ça c'est les négociants, donc, c'est quand même l'hôtel de vente, oh, hey baby, comment tout va, toilette sexy, pourquoi tu te promènes, t'as pas froid comme ça? En tout cas, c'est bien caché avec les tatouages. Ouais, c'est une stygienne, celle-là. On reconnaît la couleur de la peau. Donc, négociant, c'est l'hôtel de vente. Hein. Enfin, non seulement c'est l'hôtel de vente, mais ça fait aussi office d'inventaire. Bah, comme j'allais dire, hein, ça, c'est le. Qu'on appelle ça. La banque personnelle. Quand vous êtes en mode gratuit, bah, vous avez juste ces emplacements-là. Si c'est en mode premium, bah, vous aurez accès à tout ça aussi. Et ça, c'est. L'hôtel de vente. Et si vous pouvez chercher, exemple, si on cherche un mur en intermédiaire, on va dire torse, puis allez dire épique, on cherche. Bon, il n'y en a pas de vendu, on va dire. Bouclier, il n'y en a pas. Bon, non, bouclier dans le torse, c'est n'importe quoi. Ouais, mauvaise recherche, il faudra t'offrir. Ah, et voilà. C'est des boucliers épiques, niveau 80. Inspire dans 7 jours, 100 pièces d'or. 140. Donc ça commence par pièces d'or, pièces d'argent, cuivre et étain. Donc il y a 4 niveaux de monnaie. Et la plus élevée, bien entendu, c'est l'or. Hmm. Et là, vous avez le service postal. Ça, c'est Percy, mon personnage principal, qui envoie des petits sous à. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est à moi, ça. Ok. Là, bon. On va récupérer ça. Et récupérer ça. Voilà. Impossible de. Ah, ok. 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 Ouais, je pense que mon. Attendez, on va remettre. Je pense que mon sac est plein. Ouais, c'est plein parce que. Parce qu'il y a des sacs justement qu'on peut acheter pour pouvoir encore avoir plus d'emplacement. Donc on dirait 3 x 4, 12. Donc 12 plus 20, ça fait 32. Donc les sacs de 32 places pour pouvoir avoir accès à tout ça. Mais j'imagine qu'on peut avoir sûrement des sacs encore plus grands. Sinon, ils n'auraient pas mis une flèche ici pour pouvoir naviguer entre les différents sacs. D'accord, bah non, on va les vendre. On va parler à la jeune fille de 19 ans. qu'est-ce que je peux vendre qui ne m'intéresse pas? Ok, l'arc, on peut vendre. Banane, on va garder. Bière de sang, ça, on va garder. J'ai la même chose déjà, ça va.
J'ai mieux. Dans or, on va vendre. Dague, on va vendre. Fiole, on va vendre. On vend. On vend. Bleu, c'est moche. Ça, il y en a déjà. Griffe de. Il y a l'équipement. Je pense que tout le monde l'obtient aussi, donc ça ne sert à rien. Bon, on va vendre ça à l'HV. Ça, on peut vendre. Ça, j'ai pas encore le niveau, j'ai pas encore. Perle, on va fermer. On va vendre ça. Bon, on va voir. Ça m'étonnerait que. Non, c'est trop. En fait, ce qu'on va faire, on va juste vendre ce qui est bleu. Hein. Ça ne sert à rien de vendre du vert comme ça. En plus, à bas niveau, on trouve beaucoup mieux. Ça, on va garder tout ça. Ok. On ferme ça ici. Bon, allez. Donc, on peut aller récupérer les objets qu'a envoyé Percy, pardon. Ouais, qu'elles sont d'habitude. C'est des cousins éloignés. Oui, ça, c'est bon. Voilà, donc on va continuer la visite. Alt Z, voilà. Moi, c'est pour cacher l'interface et Alt Z. En fait, c'est la combinaison que j'ai choisi pour pouvoir cacher l'interface du jeu. Donc, on a vu les négociants. On a vu Junia qui a une quête pour Führer. Au prochain niveau, ou bien alors dans les deux prochains niveaux. Enfin, d'ici les deux prochains niveaux. Donc, on va courir un peu. On ira leur parler un peu plus tard. Ça, c'est l'auberge du chien peinté. On ira aussi là-bas un peu plus tard. Ça, c'est l'alchimiste. Ah, il vend. Ok, lui vend des potions. D'accord. Enfin, elle vend des potions. Isobel. Ouais, pourquoi pas. Isobel. On va voir, résister. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Graphiquement, c'est très beau, hein. De toute façon, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Est-ce que je peux entrer là-bas? Non. Je sais pas. Si je me souviens bien, avec Percy, on avait fait une quête. On s'était retrouvé à l'intérieur, il me semble que c'est une prison. Ou alors c'est l'endroit où vit Strom, le tyran de la place. Si je peux l'attaquer. Oh non. Niveau 25. Non. On va attendre d'être 20-24, hein, pour pouvoir s'amuser avec lui. Ok, ça c'est la petite Sancha, la patronne des prostituées de la place. On peut pas entrer, non. Allez, on va se les faire. Ah, on va se les faire. 4. Allez, allez, allez. Et voilà. Bon. Ok, il m'a fait peur avec cette musique, lui. Elle est stressante, cette musique. Et là, le calme. Trop bien fait. Bon, on va refermer ça. Non, mais je promets. Plus de bagarre, plus de bagarre. On va juste visiter d'abord. Bon, vous voyez, il y a des systèmes de collision entre les PNJ, les personnages, tout ça. Avantage, immersif, c'est beaucoup plus immersif comme ça. Ça fait plus réel, comme on dit. Attends, on verra. On devra te parler un peu plus tard. Ça, on peut entrer. Ah, là voilà, Nadini. Aucune porte n'est jamais vraiment fermée. Ah, ouais. Alors, dis-moi, parle-moi un peu de toi. Je m'appelle Nadini. Ouais, ça j'avais vu. Ceux qui ont besoin de moi pour un conseil ou un aphorisme peuvent venir me voir librement. Ok, donc c'est tout ce que t'as à dire. D'accord, ben au revoir et merci de
ces petits renseignements. Nous nous reverrons. Oh, c'est sûr de ça. Ok. Bon, vous allez dire pourquoi est-ce que c'est pas activé. C'est parce que, en fait, ce sont des quêtes de nuit. Il y a deux types de quêtes... deux types de quêtes dans Age of Conan. Il y a les quêtes de jour qui se fait en groupe, bien en solitaire, mais vous croisez d'autres joueurs parce que les... Quoique, même si les zones sont... Enfin, les zones de chasse sont estanciées, mais vous croisez d'autres personnes de la même instance. Ce qui est assez... qu'on appelle ça... Plus communautariste, on va dire ça, ouais. Enfin, c'est qui est bien comme ça, quoi. C'est beaucoup mieux comme ça. Et il y a les quêtes de nuit qui sont liées à votre à destinée du personnage. Et ce n'est que la nuit, justement, l'histoire d'aller raconter, enfin, aller parler à Nadini. Ça, c'est pas juste la nuit, c'est pour ça que c'est pas activé toutes ici. Toutes les questions ont des réponses. Oui, nous verrons bien. Vu que nous sommes la journée encore. Voilà. Bon, on va continuer la visite parce que là, ça fait 10 minutes qu'on est en train de tourner. Bon, là, non, j'ai promis qu'on va pas. qu'on va pas les embêter pour l'instant. Puis son niveau 11, ils vont me charcuter, c'est pas bon. Donc, est-ce qu'on peut aller visiter rapidement? Il nous reste 14 minutes. Non, yes, ouais, 14 minutes. Enfin, 13 minutes, parce qu'on va arrêter à 14 minutes pour chaque épisode. Ouais, c'est pas mal, et voici le port. Bas peuple. Ah, ok. Le nom est étrange. Bas peuple, pourquoi pas. Mais j'aurais pu donner un nom aléatoire et puis mettre ces bas peuple comme pour indiquer la catégorie à laquelle appartient ces gens-là, mais. Bas peuple. Pourquoi elle pleure? Hey, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Hey! C'est qui? C'est lui qui t'a emmerdé? C'est lui qui t'a emmerdé? D'accord, attends. Tu vas voir ça. Quand t'as emmerdé, jeune fille, toi. Hein? En fait, c'était un piège. Oh, la salope. Oh là là, la coquine. Oh là là. Et Führer, tout brave, a essayé de la venger, quoi. Parce qu'il a... Le gars l'a déshonoré, la jeune fille, mais non. En fait, c'est un piège. Mais bon, c'est pas grave. Oh, criminel! Sors, amical, personne. Les conducteurs de chariots et les capitaines de navires refusent de vous transporter. Et les marchands de mots de commercer avec vous devez pour cela vous adresser aux contrebandiers que vous trouverez dans les camps. Ah, ok. Ah, c'est pas mal comme trick. C'est pas mal, je venais découvrir ça avec vous. Ok, quand on attaque des gardes, donc on a ce. Ce titre-là de criminel. Donc on peut juste commercer avec les contrebandiers. La question est-ce que je peux entrer dans la ville encore? Voilà, ils vont m'empêcher. C'est pas mal ça, trop bien. Ok, ils ont dit qu'ils peuvent pas commercer avec moi. On va voir ça. On va aller voir la jeune fille de 19 ans. Est-ce qu'elle va commercer avec moi? Ah écoute, j'ai voulu sauver. Une jeune fille qui avait l'air triste, je pensais que c'était un garde qui l'avait emmerdé. Oh là là. D'accord, bah écoutez, on va arrêter là pour la visite. On a appris quelque chose d'intéressant que je connaissais pas du tout. Oh, c'est trop bien ça. D'accord. Bah écoutez, maintenant on va aller au machin. Le seigneur amiral a émis un nouveau. Voilà, on va aller à l'auberge. Et on va attendre là. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite des épisodes. Et on va recommencer nos quêtes. Et parler à Tina pour lui remettre le message de son amoureux. Donc à tout à l'heure.